Yo tout le monde, c'est Thia, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Orb de Total War dans lequel nous jouons l'Egypte. Allez, on va reprendre tout ça. Allez, on faisait de l'exploration avec notre amiral. Voilà, histoire d'ouvrir un petit peu le commerce. Je vois que la partie est partout. La partie se développe vraiment bien. Oui, c'est ça, j'ai oublié. On va faire pareil ici. On était en train d'essayer de forcer Nabatée à nous déclarer la guerre. On va voir ce que ça donne. On va faire des périphéries. Ok, toi tu allais. Oula. J'ai beaucoup d'armées là. J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. Plus de plus 3 pour tous les attributs. Accompagne le général. Ah, j'adore. Allez, on va se rapprocher tranquillement mais sûrement. Voilà, soit contre lui, soit contre la partie, mais il est pas en guerre contre la partie. Donc ça m'intéresse pas trop. S'il était en guerre contre la partie, j'aurais peut-être attendu. Tout simplement pour voir s'il prenait des villes, et s'il perdait ses villes, bah j'aurais déclaré la guerre à mon tour à la partie. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pas du tout. Unité de siège blindée. Ok, entrepôt de munitions maintenant, ça va être bien. Toi, tu fais ton travail. Voilà, Cupide. Hop, petite embuscade. Ah oui, mince, j'ai dit que c'était elle qui devait recruter. Oh, pff, pas grave. Déjà oublié ça. C'est Ptolémée, ça, ouais, c'est Ptolémée. Donc ensuite, c'est full piqué. On va l'Alexandria. Ouais, voir, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire par là? Non, non. C'est vrai. J'ai oublié ça. Ok, il n'y a pas des enfants à éduquer. Bah, purée. On est parfait, hein. Mercantile, aime les Romains. Je sais pas, j'ai été traité avec les Romains, moi, depuis quand? Je suis uni par un traité aux Romains. Ah ouais! J'ai un accord commercial. Regardez contre qui il est en guerre, hein, contre tout le monde. Il a. Attends, quoi? Il a un état client, c'est Nabatée, quoi. Il a perdu tout le reste. Ah, et le seul que je dois me taper, c'est Nabatée. Ah oui, mince, j'ai oublié la flotte. Vous savez quoi, je vais faire le forceur, au pire il me déclarera la guerre, c'est pas grave. D'ici que mon armée soit levée, je vais faire ça. Salut à toi. Tanaïs. Ok. Ah, les Roxolans, purée. Ah. 5% de richesse provenant des mines, ça c'est bon ça. Que me veux-tu? Les politiciens
Et le public se sent tous épris d'un jeune orateur fort éloquent. Il fait preuve d'une ambition certaine et gagne progressivement les faveurs de la foule. Même s'il ne l'a pas encore calomnié, même s'il vous a pas encore calomnié, n'est pas non plus approuvé votre entreprise. On va signer une tâche. Juste, non, toujours rien. Ok. Hop, on va se rapprocher. Voilà, vu qu'on a de l'argent, autant recruter en prévision, on ne sait jamais. Surtout pour ce type d'unité qui coûte pas très très cher à l'entretien. Et général en mer. Ok, pourquoi pas. Allez, on va se rapprocher. Mais je te mets dans la route, elle est pas bloquée. Voilà. On s'avance progressivement. Je crois que c'est le champion, non, le jeune guerrier, je sais plus. Qui a gagné un niveau là. C'est tant mieux parce que il entraîne mon général en vrai, c'est vraiment une bonne chose. Ah bah voilà, c'est bien ça. Il a enfin accepté l'accord commercial. Oui, recrutons. On va recruter, on peut. L'embuscade ici, on est très bien. Je vais me permettre de lever une autre petite armée. Ouais. Ce sera la dernière d'ailleurs, parce que là, je n'ai pas un assez gros Imperium. Le reste, lever le reste, pardon. On va l'adopter. D'ailleurs, on va la marier aussi. Ouais, ça, c'est bien ça. Voilà. J'ai vu qu'un enfant pouvait se faire éduquer, c'est parfait. Les prochains tours. Ah, il est en mer, du coup il meurt pas de faim, je suppose. Là je vois pas. C'est quoi ça? C'est un. C'est un mage. Ah zut, j'ai encore oublié. J'ai tout le temps oublié, c'est pas vrai. Ptolémée Césarion va monter de niveau, c'est parfait. L'Égypte. Oh non! Ah ouais, si, c'est bon. Ah, j'ai cru que c'était pour ma peau. Pour ma pomme. Pardon. Je préfère. Ok. Très bien, tout ça. Lolante. Lolante. Voilà. Compagnon de Russe. Lui, il a up. Encore un petit niveau à la commandant d'infanterie et commandant de cavalerie. Comme ça, quand sa mère passera l'arme à gauche, j'aurai de quoi recruter des unités. Et bah, c'est parti, hein. Un petit siège ici. Hop, ici on va faire une embuscade. Non, on va pas faire d'embuscade en fait. On va pas faire d'embuscade, on va l'aider.
Combien de tours avant l'édition? 3. Ah, c'est bon, résolution automatique. Et on occupe Jérusalem. Je sais plus ce que c'est. Je crois qu'ici c'est. C'est quoi ce Tyros, c'est ça les. C'est commercial, je crois. Ouais, on va faire un hôtel Datormat. À moins que. C'est commercial et ressources. Oh. The Salmon ou Atormat, j'hésite. On va voir ce qu'on a déjà et on va faire l'autre. On a un tombeau d'Horus, Isis, tombeau royal et Isis, on n'a aucun. Bon bah on va partir sur du The Salmon. Atormat, je veux dire. Oula. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Savoir ce que l'on veut. Tant que tu veux tirailleur, c'est parfait ça. Oh, ah bah. On va le laisser là, lui. Là, on va attendre un petit peu, on sait jamais, une petite attaque venue des mers. Ici, surmonté. Elle est. Oh, je sais pas ce qu'elle a pris, mais elle a pris comme ce que prenait Cléopâtre à l'époque. Hein. Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus. Ça a l'air violent quand même. Hein. Ok. Ok. Ah, il y a une position que j'ai pas défendue, c'est au niveau de l'ouest, non de l'est, au niveau de la mer. Si jamais ils veulent passer. Kadomaté qui a dû envoyer ses nobles. Me dissout dans une unité. Purée. Putain, il a réussi en plus quoi. Ah non, il a pas réussi. En même temps, 18% de chance de blesser des agents. C'est pas mal, hein. Allez, on va y envoyer. Voilà, on prend en mode équilibré, peu de pertes. On fait tomber Petra. Ah voilà, c'est ici en fait que j'ai pas mis de renfort. Je vais en faire venir au cas où. Alors, ici, c'est bon. Ici. Voilà, on vole la nourriture, on fait ça bien. là-dessus c'est mieux. C'est quoi ça? Peltast léger, pardon, Peltast léger remplacé Peltast. Ok. Une caserne royale au cas où plus tard. Alors Petra, qu'est-ce que tu me dis? Ok. Petra, j'ai aucune. Ouais, t'as de l'épice là peut-être. En faire une zone agricole. Hein. Toujours avoir un peu de nourriture, beaucoup. Toujours avoir beaucoup de nourriture. Hop, un aqueduc souterrain et un forum public, ça devrait faire l'affaire. Lui, je vais l'envoyer au niveau de Sirène. Et lui, au niveau de Parétion, ça devrait suffire. On en profite pour améliorer toutes nos troupes, on peut voir que on a un peu d'argent. Ou ça part vite. Ou ça part vite. Ah oui, ça part très vite là. C'est un tour de PIB là qui part à chaque fois pour améliorer l'armée.
qui de riz? D'accord commercial? Ça passe. On verra plus tard là-bas. On verra plus tard pour ce qui est là-bas. Très bien, on a découvert les jets. Les jets qui sont en Olbia, tiens. Ok. Ah non, c'est la Confédération d'Assaut Trace. C'est pour ça du coup qu'ils sont un peu plus loin. Développement militaire, voilà, je suis en plein dedans. Femme noble. Tu as raté ton coup. Ok, là il attaque mais sans attaquer. Je vais améliorer cette armée. On va faire ça. Alors ça passe. Ça passe bien. Ça passe même très bien. La résolution en mode équilibré. Pas besoin de plus. Je relâche, de toute façon je suis le seul à lui avoir déclaré la guerre. Hop, mode agressif. En plus ça fait sortir les troupes de la ville. On relâche. Ah, c'est fou ça. Ouais, je vais prendre la ville avec... Avec elle, ça devrait m'éviter les pertes d'une unité ici. Parce que là, j'ai quand même perdu pas mal de troupes. Voilà. Cupide. On voit tout le monde là-bas. Plus les pauvres, il n'y a plus personne quoi. Enfin, ils ont ça, ils ont une flotte. La moitié d'une flotte. Ah zut. On va faire des fermes. Faire un camp d'entraînement. Je crois que je vais pouvoir fabriquer les autres. Vous savez, ce genre de bâtiment. Camp d'entraînement, camp d'entraînement, ça c'est bien ça. Allez, direction Sirène. Ah zut, j'ai pas la portée pour ce tour. On va faire une embuscade. This is an ambush. This is a trap. Ça doit coûter moins cher là, non? Pas du tout. Mais pas du tout. On va améliorer toutes les unités à distance. Et ça devrait passer. Allez. Voilà, on reste bien entre les deux. Oh, bah dis, il y a du monde qui peut être amélioré. Oui, c'est vrai ça. 14. 14. C'est juste. Énorme. Allez, on remonte le Danube, les gars, on est chaud. Il reste plus qu'une seule ville à abattre. Et ça, c'est bien. Ptolémée Césarion qui monte à niveau. Bien joué Ptolémée Césarion. Ah, on découvre Piscule, on découvre Pelendava, Odessos.
Petite terre sacrée, consacrée, je sais plus. Et on va finir en prenant Charmutas. Hop. De manière agressive. On occupe la ville. Il n'y a pas d'épices du coup. C'est pas grave, on va faire de la bouffe. À gogo. C'est toujours une bonne chose que de faire de la nourriture. On finit de améliorer cette armée. Très bien. On se met en direction de Sirène. Voilà. On va faire un siège. On va faire un siège et on va y envoyer celle-là au cas où. Parce que je vais éviter cette prise en tenaille. Sachant que là on a bien moral. Ok, ici. Pas besoin de se mettre en marche forcée. Commandant d'infanterie. Voilà. Et là, ça devrait tomber. J'espère qu'ils vont attaquer qu'ils vont attaquer mes côtes. Sinon, bon, bah, je vais lever une flotte. Hein. C'est pas trop le choix. Ah, on peut voir que c'est une petite unité nabattée là-bas. Une troupe en mer. Ouais, qui vient de débarquer au niveau des marais du Nil. Et il va prendre de l'usure. Il y a Nabaté qui va l'aider, allez, c'est pas grave. On continue le siège, bon, 80 de pertes par tour. C'est pas non plus excessif. Là, on peut faire tomber, hein. Petite résolution automatique. Voilà. Il y a une Légio du coup qui est bien perdue entre deux. Une classe 6. Ah, va falloir faire attention quand même. Ah, je fais un terrain d'accord pour. Oh, non. Si. Je fais un terrain d'incorporation au cas où. Voilà. L'épide il se réveille un jour et il me dit. Il vient de m'enquiquiner. Et je vais lui envoyer du renfort à lui. Je sais pas si ça passe en un tour. Non. Donc, je vais lui envoyer du renfort. Je vais recruter. Que frondeur. Bon, lui, comme d'hab, il est perdu quoi. Je m'entends pas si bien que ça avec les mineurs. Ah, il était pote avec avec Nabaté, c'est ça. Très bien. Fait bien voir des nomades du désert. C'est une bonne chose. Hop, carrément bol en ivoire quoi. T'as pas honte? Bah, je dis elle devrait avoir honte. Hop, plus d'ordre public. Parfait. Oh la vache, le rang toi qu'il a. Allez, non, non, on peut pas, on peut pas. Ok. Ok, c'est plutôt pas mal là. Hop, c'est bon, on a remonté tout le Danube. J'ai encore oublié cette flotte. Chaque fois. Singdom. Ah! Il y a les Rettes. Les Rettes qui sont en guerre contre la Confédération d'Asiotrace. Et il m'attaque. Très très bien. Très très bien. Bon, j'ai 10 minutes pour la gagner celle-là. Je suis un peu pris par le temps. 10 minutes. Ça va être tendu.
On a quoi? On a deux. On a une armée terrestre, une armée de garnison terrestre et une armée de. Une armée terrestre qui vient par la mer. Je crois. Oh, c'est compliqué, hein. Ah, j'y vois rien, je sais même pas où est-ce qu'elle est, la mer. Ah! C'est infâme. L'assaut, mes troupes. Purée. Ah, c'est moche là, le brouillard comme ça. On n'y voit rien de rien de rien quoi. Allez, une petite ligne. Des tirailleurs d'un côté, des tirailleurs de l'autre. Hop, pareil. La cavalerie d'un côté, la cavalerie de l'autre. Zoup, zoup, zoup. On n'a pas le temps, donc on va jouer agressif. No surrender. Il y a un accent bizarre. Allez, on accélère. Ok, t'as des renforts qui viennent de là. Et les derniers, ils viennent derrière. Ok. Ok, ils viennent des attaques, ça c'est cool. Attends, ils ont pas trop le choix. À recruter mon général, je vois qu'elle est frondeur là, c'est pas une bonne chose. Exactement, avancer plus vite. Hop, mon général, je vais lui faire faire un petit tour. Là, il est emporté. Déborde un peu sur le côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre ça. Ouais, là il a l'air de vouloir charger mes javelots. J'ai bien fait de garder la cavalerie. Il est où mon général? Il est là-bas. Hop, et on va aller chercher. Les unités à distance là, les unités de tirailleurs. Avec mon général, je vais aller chercher le général ennemi. Et les javelots, je vais aller chercher également le général ennemi. Là, je vais essayer de partir parce que c'est pas bon. Lui il revient, donc on recharge. Ils sont pas là à portée pour tirer là. On pourra pas se laisser engager. Je vais savoir où est-ce que ça en est là, on n'est pas trop mal. Ok, ça passe. Du coup j'annule les ordres là de. J'annule leurs ordres à eux. Faut pas qu'ils aillent au corps à corps. Ah sérieux, là ils sont 17 les gars. Faut arrêter. Faut pas qu'ils tirent là, faut pas qu'ils tirent sur mon général, faut pas qu'ils pètent un câble, on y va avec les éléphants. Eux ils m'énervent, voilà. Non mais non. Oh les gars, vous êtes 95, réveillez-vous un peu. Reviens là toi, allez vite. Et surtout ne barre pas vers l'ennemi, quoi, couillon. Voilà. Où est-ce que ça en est là? Se rapproche des côtes. Hein. Lequel va arriver en premier? Ah, ok, ça devrait être lui. Allez, on va vite finir ce front là.
Hop, tous les javelots qui sont là, on va les reprendre. Les javelots qui sont là, c'est pareil. Ouais, j'envoie mon général pour faire une bonne grosse charge. Prendre le piquet que je vais mettre tout le long de la côte là comme ça. Tac, allez plus vite que ça les piquets. Ah, ça va être tendu là. Je vais envoyer ma cavalerie. Et j'ai mon général. Je sais pas si c'est le bon choix que je fais. Bon, moi je serai en supériorité numérique sur mon front. Frondeur. Je vais aller. Ah, frondeur. Ah là là. Je vais aller là avec mon unité, avec cette unité. Et avec eux, je vais aller chercher les frondeurs là. Voilà, on devrait être pas mal. Peut-être un petit peu près quand même. Ah, ça devrait aller. Ok, là c'est bien. Il s'est fait accrocher par une unité de lanciers, c'est pas bon. Où est-ce que ça en est là? On n'est pas trop mal pour l'instant. Voilà. Ils servent plus à grand chose maintenant. Ok, lancier, on est good. Voilà, c'est d'échange contre l'échange de tir là. Ah, stop, top, 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 j'ai des éléphants là. On va faire une petite charge ici, ça aidera les deux côtés en plus. Ah, on annule. Voilà, je préfère aller là-bas. Là, on est bien. Voilà, une autre charge. Hop, voilà, et là on va se mettre de travers, resserrer toute cette formation. Sinon là-bas c'est quand ils veulent là. Là ils commencent à me gaver aussi. Là, on va reculer. Totalement pressé par le temps. Ça c'est pas cool. Ok, là ça devrait être bon. Qu'est-ce que... Revenez, revenez. Ah putain, j'ai perdu le contrôle de mon général. Ça arrive des fois, c'est chiant. Ok. Stop, tout ça stop. Est-ce qu'ils ont encore des projectiles? Pas vraiment. Ok, on les retourne tous. On va plus se mettre une formation ici, ce sera mieux. Tous ceux-là, ils ont plus de munitions. Là, je vais les mettre sur le côté. Et ma cavalerie. Pareil. Normalement, j'ai oublié personne. Enfin, à part mon général qui se tape une barre, va faire n'importe quoi. Ah, tu leur dis halt, mais c'est halt, mais pas vraiment non plus quoi. Ok, ah putain, tout ça, tous les vitesses là, ah, c'est bon ça. Allez, on va faire tout le tour du coup.
totalement pressé par le temps, ça m'énerve ça. Il y a une armée de vétérans ici. Alors on s'avance, on met la pression. Là il y a de la plèbe, mais on s'en fiche. J'arrive à mettre suffisamment de pression moi de mon côté là. Ok, on est pas mal. Et il va essayer de tirer je suppose avec mes... avec leur... sur ma cavalerie ou c'est pas très grave ça. Eh? Ah j'ai pas pris tous mes piquets, ah merde. Hop, je vais en faire sortir un là-bas. Voilà. On engage sur le général, ça c'est bon. Ok, à ce niveau-là... On resserre. Et s'il veut bien, non? Oui, non, peut-être. Bon. Les javelots là, allez là-bas. Purée. Voilà. Allez, tranquillement. On recule, on recule, on recule, s'il vous plaît. Oubliez qu'ils ont des projectiles. Allez, on charge. C'est maintenant ou jamais. Et sinon, les. Non, toujours pas. Bon, en général, c'est fini quoi. Ok, ça devrait être pas mal. C'est Vigiles. Bon, c'est pas la meilleure unité. C'est pas sa pire non plus. C'est pas de la plèbe quoi. Ok, ça fuit, ça bat retraite. Lui, il a encore rien compris à tirer sur les unités. Ah ça y est, le général y revient. Par contre, ils se sont fait accrocher, ma cavalerie, j'aime pas ça. Allez, grouille-toi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais non, mais... Ah ça y est, je leur tire le mode escarmouche et ils vont au corps à corps. Hein. Purée, non mais n'importe quoi. Voilà, un éléphant dessus, ça va leur faire drôle. Voilà, et là, bah tous les... Bah les, ils se prennent les piques, quoi. Allez, pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est compliqué, c'est compliqué cette fin de partie. Voilà. Je réduis en esclavage parce qu'il a des alliés. Enfin, il y a du monde qui est en guerre avec lui. Je peux pas lui permettre de relâcher. Beaucoup trop de gens seraient mécontents. Voilà. Et c'est ici, je suis désolé, que on va s'arrêter pour aujourd'hui. Voilà, je suis pris par le temps, je le répète encore une fois. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Thiob. Ciao!